Salut, zami mouen. Jodi ya, nan numéro 483, nan rubrique nou ron, ma bible, mon trésor, nap continue présenter ou toujours l'homme, la créature la plus merveilleuse de la création de Dieu. Zami mouen, ou se résultat investissement mon Dieu. Et jodi ya nou pral wè combien et comment Dieu a investi dans le cerveau humain. Regardons ensemble quelques fonctions du cerveau humain. En réalité, le cerveau humain est la structure la plus organisée et la plus complexe du monde. Nous garantis aux amis moins, leur fin gen plus idée concernant toute fonction cerveau rempli, ou tomber en extase devant la majesté divine, ou pral bay Seigneur plus gloire, parce qu'il a fait de vous une créature si merveilleuse. C'est grâce à cerveau qui fait que vous faites mouvement, ou avez capacité pour penser, ou capable apprendre et ou capable mémoriser une quantité infinie d'informations. Scientifique yo di cerveau li composé de deux grands blocs que relè hémisphère. Chaque hémisphère yo gagne quatre grandes zones que relè lobe. Comme ça nous joignent le lobe frontal, le lobe pariétal, le lobe temporal et le lobe occipital. C'est grâce à lobe frontal yo qui permettent ou parler, ou communiquer, ou raisonner, ou kembe information dans mémoire, ou prendre décision, yo permettent ou construire yon personnalité, ou porter jugement et ou exécuter toute qualité mouvement. Lobe pariétal yo permet que vous développez capacité pour faire lecture, pour capable repérer ou leur trouver long lieu. C'est yo même qui permet également développer une certaine sensibilité. Lobe occipital yo permet que vous gon bonne vision ou éclair. Et lobe temporal yo participer dans développement toute qualité émotion que vous capable ressentir. Oui, zami mwen. Comme vous, j'ai grandement envie de commencer à louer, à célébrer, à adresser des actions de grâce à ce grand Dieu génie qui nous a donné un cerveau qui fonctionne parfaitement bien. Mais juste avant éclater en louange, tendez ça. Le tronc cérébral, qui s'est parti, qui kembe connecté les deux hémisphères, c'est lui-même qui est responsable battement cœur. Cœur qui bat environ 70 fois par seconde. Imaginez au côté disposé pour bail bon Dieu louange à action de grâce pour chaque battement cœur depuis l'été fait jusqu'à présent. Le tronc cérébral contrôle les fonctions de respiration. C'est grâce à tronc cérébral là qui permet que yeux fait mouvement. Il facilite également les mouvements du visage. C'est lui-même qui permet l'organ aliment dans bouche ou valer sans problème. Le cervelet qui se trouve à l'arrière du tronc cérébral, une plus grande fonction li, c'est lui-même qui permet nous kembe tout corps en équilibre. De l'autre partie dans cerveau, l'hypophyse et l'hypothalamus, c'est eux-mêmes qui produisent les hormones et qui contrôlent les fonctions telles que la croissance du corps. La fertilité, yo gérer sensation, leur grand goût, leur soif, les températures corps élevées pour dormir et toute l'autre sensation sexuelle yo. Le cerveau de l'homme est vraiment un chef-d'œuvre. Il est de la matière qui pense. Et tout ceci vient de Dieu. Bon Dieu nous est réellement merveilleux. Imaginez yon corps sans cerveau. Yon corps côté cerveau pas fonctionner. Gloire à Dieu, ce n'est pas votre cas. Et au nom de Jésus, ce ne sera pas votre cas. Tout bon vrais amis moi, vous avez reçu de Dieu la vie, le mouvement et l'être. Actes des Apôtres, chapitre 17, verset 28. Et t'en prie, amis moi, pour toutes les petites et les grandes réalisations de votre vie, toute la gloire revient à Dieu. Il a fait de vous
une créature si merveilleuse, mais également vous a doté d'un cerveau extraordinaire, bien organisé et très complexe. Pas de scientifique qui est capable d'imiter fidèlement ce petit ordinateur humain. L'homme ne peut pas créer une matière qui pense. Zami moins, tout ce que vous êtes, tout ce que vous avez, tout ce que vous pouvez faire, dire ou penser vient de ce génie créateur. T'en prie, bali gloire. Soyez reconnaissant. Dans le prochain numéro, nous, n'abdou plus toujours sur cette merveille que vous êtes. À la prochaine.